Salut à tous, très contente de vous retrouver ce matin pour une petite création facile, rapide. Oui, rapide et facile. On y va? Pour réaliser ce projet, c'est très simple. Une petite serviette, la standard, celle qui fait 85 cm sur 45. Alors, un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas très important. Un bouton et un tout petit morceau d'élastique fin. Pour connaître l'envers de l'endroit de la serviette, généralement l'étiquette est posée à l'envers. Pliez votre serviette endroit sur endroit. La pliure de ce côté et l'ouverture ici nous sont bien sur l'envers, confirmés par l'étiquette que nous allons d'ailleurs couper de ce côté ouvert vers l'intérieur. Mesurez 16 cm. Mettez une épingle. De là à là, vous avez 6 cm. De cette partie à là, vous allez mesurer 37 cm. De ce point 37, vous allez rentrer de 1 cm. En bas ici, vous allez mesurer 7 cm. Vous allez tracer d'une façon à enlever cette partie qui est épaisse, celle-ci. Donc, on trace de cette façon, on vient là, on arrondit légèrement, on redescend. Vous allez passer le plus près possible de la pliure jusqu'à ce point du 37. Vous ressortez de 1 cm, joindre ce point à celui-ci. Du bas vers le haut, vous allez mesurer 5 cm et vous allez continuer le tracé pour que vous puissiez faire la même chose, enlever cette épaisseur. Bien dégager cette épaisseur. Hein. Coupez votre élastique 8 cm de longueur. À 3 cm du bord, pliez l'élastique en deux et posez à l'intérieur. Piquez la serviette en démarrant d'ici, point d'arrêt, on fait tout le tour jusqu'ici et on termine par un point d'arrêt. Au niveau de l'élastique ici, renforcez la couture. Et comme je vous l'avais dit auparavant, sur l'élastique lui-même, faire plusieurs points aller-retour. Ainsi, vous aurez votre élastique bien accroché. Bien sûr, moi j'ai mis du noir pour que ce soit visible sur les vidéos, mais rien ne vous empêche de mettre du blanc. Sur toute la couture que vous venez de faire un point de zigzag ou surfiler. Sur l'endroit, à ce niveau, à 3 cm du bord, posez votre bouton. Et ça, vous le faites bien sûr à la main. Enfilez votre aiguille, doublez le fil. De préférence, utilisez un bouton à gros diamètre. Renforcez bien la couture et finalisez par un nœud que vous ferez en passant l'aiguille dans la boucle. Pour mettre votre serviette, c'est très simple. Penchez la tête. Drapez vos cheveux de cette façon, tournez cette partie bien comme il faut et attachez grâce à l'élastique et grâce au bouton. Le bouton qui va vous donner une belle finition, une façon très facile de attacher et de détacher. Et voilà, c'est très 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 facile. En attendant de vous retrouver bientôt, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.